todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Alors écoutez, l'affaire d'aujourd'hui n'était pas prévue pour aujourd'hui, je pense, parce que j'ai eu un petit problème dernièrement avec l'une de mes vidéos. Ceux qui sont abonnés à mon Instagram et qui regardent l'onglet communauté sur YouTube savent de quoi je parle. Du coup, j'ai une vidéo qui a été bloquée à la monétisation par YouTube et qui a eu une limite d'âge. Parce que, voilà, ils ont considéré que le sujet était beaucoup trop sensible et que je l'abordais avec dédain, mépris et incitation à la haine, ce que j'ai trouvé assez étonnant, mais why not? Et comme là, je suis en train de faire appel de toutes ces décisions successives, j'attends de voir si elle sortira. Donc là, maintenant, au moment où je vous parle, je ne sais pas ce qu'il en est, au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être que la vidéo qui est bloquée sortira. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais en tout cas, je me suis comprise. Cela étant dit, ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. And once the security officer arrived, they saw, of course, a white man and a brown man fighting, and the first reaction they have is to shoot the brown man, to shoot Marwa Sherwini's husband. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en Allemagne en 2009, plus précisément dans le land de Saxe, à Dresde, une ville de 500 000 habitants située dans l'est du pays. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le parcours de Marwa Okaz. Marwa Okaz naît Marwa El-Sherbini à Alexandrie en Égypte en 1977. Ses parents étaient chimistes et très jeunes, Marwa a elle aussi développé un goût pour les matières scientifiques. Elle obtient son bac en 1995 et poursuit des études en pharmacologie à l'université d'Alexandrie. Elle en ressort diplômée en 2000. Et au-delà de ses études qu'elle a brillamment menées, Marwa est également très investie dans le sport. Elle joue au handball depuis l'âge de 14 ans et elle a même été membre de l'équipe nationale jusqu'en 1999. Peu après l'obtention de son diplôme, elle rencontre celui qui deviendra son mari, Elwi Ali Okaz, un doctorant en biologie cellulaire et génétique. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être chaud. Tous les deux s'installent en Allemagne à Brême en 2005. Ils accueillent leur premier enfant, Mustapha, puis en 2008, ils déménagent à Dresde. Elwi travaille dans un institut de recherche et Marwa trouve un poste dans une pharmacie universitaire, puis dans une pharmacie locale. Marwa et Elwi sont éduqués, intelligents, ils ont un statut social plutôt valorisant et ils aiment vivre à Dresde. Ils comptent retourner vivre en Égypte d'ici un an ou deux, puisque Elwi est maître de conférences dans une université égyptienne, en plus de son travail en Allemagne. Mais en attendant, ils se sont parfaitement intégrés à leur vie en Allemagne, ils se sont fait des amis, que ce soit dans leur entourage professionnel ou parmi leur voisinage. Le 21 août 2008, c'est une journée ensoleillée, il fait beau. Marwa prend son fils Mustapha et elle se rend dans un parc pour enfants dans le quartier de Johannstadt. Alors je sais pas si ça se prononce Johannstadt ou Johannstadt, mais en tout cas voilà, elle l'amène au parc. Il y a du monde, il y a des parents, des adultes, c'est une journée d'été, tout ce qui est plus classique. Mustapha veut absolument jouer à la balançoire. Bon, c'est de son âge, il a 3 ans, donc Marwa se dirige vers les balançoires, mais là il y a un homme qui est assis dessus. Il s'appelle Alexander Wins, il est d'origine russe et il a 28 ans. Marwa lui demande gentiment si son fils peut l'utiliser, puisque il n'y en a pas d'autre de disponible. Et là, Alexander se lève, il la regarde et il la traite de salope. Alors les tenants et les aboutissants de cette dispute ont été confirmés par les personnes qui se trouvaient au parc et qui ont donc été témoins de cette altercation. Alexander a insulté Marwa d'islamiste, de terroriste et de tout ce qui se finit en iste. Et il était très très agressif. Des adultes qui se trouvaient au parc se sont dirigés vers eux afin de tempérer Alexander. Et là, il a continué à l'insulter, que ce soit en allemand ou en russe, puisqu'il y avait des russophones dans le parc. Et il était vraiment très très agressif. Marwa est complètement choquée par la situation. Elle prend son fils et tente de s'éloigner, mais Alexander continue de l'insulter. Et les autres adultes lui disent « Mais enfin, calmez-vous, quoi. On parle quand même d'une dispute à cause d'une balançoire. » Des adultes qui se trouvent au parc conseillent alors à Marwa d'appeler la police, puisqu'Alexander menace Marwa de tuer son fils. Des agents arrivent très rapidement au parc, puisqu'ils se trouvaient à proximité lorsque Marwa a appelé la police, donc ils arrivent en quelques minutes, et là ils interrogent tous les adultes sur place, on leur explique ce qu'il s'est passé. Marwa est complètement chamboulée, elle a peur pour son fils, donc là une patrouille de police la reconduit chez elle, avec son fils, tandis qu'Alexander est interpellé afin d'être interrogé.
Alexander Wins est un chômeur de 28 ans qui est né en Russie en 1980. Il a immigré en Allemagne en 2003 et il a obtenu la nationalité peu après puisque sa famille est originaire d'Allemagne initialement. Il vit de petits boulots en général mais en ce moment il ne travaille pas, d'où sa présence sur une balançoire pour enfants. La police l'interroge sur le comportement qu'il a eu au parc, des menaces, des insultes. Pour une histoire de balançoire, c'est un peu excessif quand même. Alexander leur explique que pas du tout. Les gens comme Marwa ne sont pas des êtres humains, ce ne sont même pas des animaux, donc les insulter et les menacer, dans le fond, c'est pas quelque chose de grave, parce que ce ne sont pas des êtres humains. Bon, il est condamné pour diffamation et injure, et il doit payer une amende de 330 euros, chose qu'il refuse de faire. Il réitère ce qu'il a dit précédemment, il n'a rien fait de mal. Il a simplement insulté et menacé de mort quelque chose qui ressemble à un être humain, mais qui n'est pas un être humain. Donc il n'a pas payé d'amende. En novembre 2008, le tribunal de Dresde majore l'amende à 780 euros. Et à la suite de cette condamnation, le procureur général et Alexander Wins font appel. Le procureur général fait appel de cette décision puisque durant l'audience, Alexander a tenu des propos ouvertement xénophobes et haineux. Donc il souhaite qu'il y ait au minimum une peine de prison avec sursis. Alexander, quant à lui, fait appel pour ne pas payer l'amende. Son procès en appel s'ouvre le 1er juillet 2009 à 8h du matin, au tribunal de Dresde. 9 personnes sont présentes dans la salle d'audience. 3 juges, le procureur, Alexander Wins, son avocat commis d'office, Marwa, qui est à présent enceinte de 3 mois, son mari Eloui et leur fils Mustapha, qui n'a pas été à la crèche puisqu'il a de la fièvre. Il n'y a aucun personnel de sécurité à l'intérieur de la salle d'audience et aucune fouille n'a été effectuée à l'entrée. Au départ, le procès se déroule normalement, si on peut dire ça comme ça. Alexander tient les mêmes propos qu'il avait tenus jusque-là, donc pour lui, Marwa n'est pas un être humain, les étrangers doivent être déportés, les musulmans sont des monstres, etc. Bref, la totale. Son avocat, quant à lui, tente de tempérer un peu ses propos, puisque son objectif, c'est de faire en sorte que la peine d'Alexander ne soit pas sévère. Il veut lui éviter, par exemple, de la prison avec sursis ou une amende beaucoup trop élevée. Mais Alexander est chaud comme la braise. Marwa témoigne à son tour, elle explique donc ce qu'il s'est passé le 21 août 2008, l'agression dans le parc, les menaces de mort, puis elle retourne s'asseoir. Vers 10h20, Marwa et Eloui décident de quitter l'audience puisque Marwa a déposé, elle est enceinte, elle se sent pas forcément à l'aise, leur fils a de la fièvre, donc ils se disent que ça n'a pas d'intérêt de rester jusqu'à la fin de l'audience, ils auront de toute façon le résultat a posteriori. Donc ils se lèvent, ils se dirigent vers la porte pour sortir, mais à ce moment-là, Alexander se lève et se précipite vers Marwa avec un couteau de 18 cm de longueur à la main. Il se jette sur elle et la poignarde à presque 20 reprises. Alors pour bien vous expliquer comment ça s'est passé, l'attaque n'a duré même pas une minute, mais lorsqu'Alexander s'est jeté sur Marwa et qu'il a commencé à la poignarder, Eloui s'est à son tour précipité sur Alexander afin de le dégager. Il a lui-même reçu une dizaine de coups de couteau un peu partout sur le corps. Le petit Mustapha était à proximité du corps de sa mère, donc il a vu sa maman se faire poignarder, son papa se faire poignarder. Très rapidement, l'avocat d'Alexander Wins a saisi Mustapha afin de le mettre à l'abri, puis il est retourné vers Alexander et il a commencé à lui mettre des coups avec l'une des chaises qui se trouvait à proximité de lui, afin de protéger Marwa. Malheureusement, l'attaque a été très très rapide, quasiment 20 coups de couteau en même pas une minute. Les juges qui assistent à la scène sont pétrifiés, l'un d'eux appuie sur l'alerte de sécurité et quelques secondes après, 3 officiers pénètrent dans la salle d'audience, l'un d'eux sort son arme et il tire dans la jambe d'Eloui, le mari de Marwa. L'un des juges lui crie dessus pour lui dire que l'agresseur ce n'est pas Eloui, mais l'autre homme qui a l'air gentil avec son couteau de boucher à la main. Donc Alexander est interpellé par les 3 agents et au moment où il est interpellé, il leur demande à être exécuté. Marwa et l'enfant qu'elle portait décèdent à 11h07 des suites de ses blessures, donc elle décède peu après avoir été agressée. Quant à Eloui, il est transporté à l'hôpital puisque son pronostic vital est engagé. Il restera dans le coma durant 2 jours. Alexander Wins est inculpé pour le meurtre à caractère racial et islamophobe de Marwa Okaz et la tentative de meurtre d'Eloui Okaz. Après l'inculpation d'Alexander, son avocat demande une expertise psychiatrique. Il explique qu'Alexander a été exempté de son service militaire en Russie quelques années auparavant puisqu'il présentait des troubles mentaux. Donc là, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est d'invoquer l'irresponsabilité.
Le juge fait donc expertiser Alexander et les résultats sont sans appel. Alexander était conscient au moment du passage à l'acte, il est donc pénalement responsable. Alors pour info, le gouvernement a demandé au gouvernement russe une copie du dossier médical d'Alexander Wins et ça prend du temps. Donc en attendant la copie, il est reconnu comme pénalement responsable. Quoi qu'il en soit, lorsque la nouvelle paraît timidement dans la presse, il y a deux points qui choquent profondément les musulmans installés en Allemagne. Le premier point, c'est qu'on ne parle pas de cette affaire. On en parle vraiment de façon très sporadique. Alors certes, on pourrait dire « Oui, ok, mais on ne peut pas parler de tous les faits divers, on ne peut pas faire des documentaires sur tous les faits divers. » Cela dit, là, on parle quand même du meurtre d'une femme enceinte commis dans l'enceinte d'un tribunal. Ça, c'est pas anodin. Et le deuxième point, c'est la réaction du policier quand il a pénétré dans la salle d'audience au moment du meurtre de Marwa. La personne sur laquelle il a tiré, c'était Louis, non pas Alexander. Et ça, c'est très bizarre, puisque au moment de l'agression, même si l'action s'est passée très rapidement, celui qui tenait un couteau de boucher, ce n'était pas Louis, c'était Alexander. Donc pourquoi le policier a pensé intuitivement que l'agresseur était l'homme qui paraissait être étranger? Ce point-là a énormément heurté les musulmans d'Allemagne, puisque d'après eux, ça laisserait penser qu'il y a une sorte de racisme, systémique, puisque si même un policier pense que la violence est en rapport avec la couleur de peau, c'est que il y a quelque chose qui tourne pas rond, parce que là, clairement, l'agresseur, donc Alexander, qui est blanc de peau, tenait le couteau dans la main. Donc pourquoi viser celui qui était recouvert de sang? À ce moment-là, Louis avait reçu une dizaine de coups de couteau. C'est assez étrange. Cela dit, pour lui, pour le défendre en quelque sorte, on peut au moins se dire que il a tiré dans la jambe, donc il a évité au petit Mustapha de se retrouver orphelin de ses deux parents en une fraction de seconde. Le 6 juillet 2009, soit quelques jours après le meurtre de Marwa Okaz, environ 2000 musulmans se réunissent à la mosquée Dar el-Selem de Berlin afin de lui rendre un dernier hommage. Et 5 jours plus tard, plus de 1000 personnes assistent à sa commémoration publique à Dresde. Et parmi ces personnes, il y a quand même quelques personnes assez importantes, à savoir l'ambassadeur d'Égypte en Allemagne, des hauts fonctionnaires. La famille Okaz reçoit énormément de soutien de la part de l'employeur de Marwa, ainsi que de l'employeur d'Eloui. Cela dit, pas un mot de l'État allemand. Et ça, ça a du mal à passer chez certains, puisque pour rappel, Marwa, qui était enceinte de 3 mois, a été tuée dans l'enceinte d'un tribunal par un homme qui l'avait menacée de mort, qui tenait des propos haineux et qui n'a pas été fouillé à l'entrée du tribunal. Et plus absurde encore, l'agression d'Eloui, comme je vous l'ai dit. Il a été blessé par un agent de police qui lui a tiré dessus alors que lui-même était en train d'être agressé par Alexander Wins qui tenait un couteau de 18 cm de longueur. Donc autant vous dire qu'il y a des petites tensions qui commencent à naître, que ce soit à Dresde, à Berlin ou dans d'autres villes en Allemagne et également à l'étranger, en Égypte. Marwa était égyptienne et les Égyptiens ont du mal à comprendre le silence de l'Allemagne. Marwa était tuée au sein d'un tribunal par un homme qui l'avait menacé de mort. Son mari, Eloui, a été blessé par un agent de police alors qu'il était lui-même une victime. Donc tout ça provoque un sentiment anti-allemand en Égypte. Les pharmaciens égyptiens, par exemple, décident de boycotter tous les médicaments en provenance d'Allemagne. Le consulat d'Allemagne en Égypte est protégé par la police égyptienne puisqu'il y a de plus en plus de manifestations afin d'obtenir une réaction de la part du gouvernement allemand. Et devant l'ampleur de la situation, l'Allemagne finit par publier des condoléances officielles 9 jours après le meurtre de Marwa. Cela dit, ce que les Égyptiens attendent et ce que les musulmans d'Allemagne attendent, c'est le procès. Ils veulent savoir si Alexander Wins sera puni à la hauteur du crime qu'il a commis. Son procès s'ouvre le 26 octobre 2009 au tribunal de Dresde, le même tribunal dans lequel il a tué Marwa Okaz. Cela dit, cette fois-ci, il y a de nombreuses mesures de sécurité. Presque 200 policiers, tout le monde est fouillé à l'entrée. Alexandre, quant à lui, est caché derrière un masque et des lunettes et il est encadré par des policiers puisqu'il a reçu de très nombreuses menaces de mort. À ce jour, je n'ai trouvé aucune photo de lui, hormis celle que je vous ai mise en noir et blanc, mais sur les quelques vidéos de l'AFP que je vais essayer de vous incruster, vous verrez qu'il a tout le temps le visage masqué. Donc on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, hormis cette petite photo en noir et blanc.
Bref, le procès démarre, il y a énormément de monde, il est très suivi, que ce soit par les Égyptiens ou les Allemands. Il y a même l'ambassadeur d'Égypte dans le tribunal, et tout le monde veut comprendre la raison pour laquelle il a tué Marwa, même si on la connaît plus ou moins. Alexander explique qu'en fait, non, il n'a pas tué Marwa parce qu'il est islamophobe et raciste, il l'a tué parce qu'il était terrifié. Il a eu peur, donc il l'a poignardé. Il n'a pas de regrets. Le procès se déroule avec beaucoup de tension, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer. Alexander se jette à un moment donné sur une table, la tête la première, afin de se blesser. Mais bon, les lésions ne sont pas suffisamment sérieuses pour retarder le procès. Certains y voient une tactique de sa part pour faire croire qu'il est fou, afin de ne pas être reconnu comme pénalement responsable de ce qu'il a fait. Toujours est-il que durant les plaidoiries, le ministère public requiert la condamnation à perpétuité pour meurtre et non pas pour assassinat, ce qui signifie qu'on écarte la préméditation. Donc là, le ministère public a dit « bon, bah, il n'y a pas de préméditation, cela dit, on le condamne à perpétuité ». La défense, quant à elle, requiert l'homicide involontaire et la tentative d'homicide involontaire. Je suis désolée de sourire, en fait, parce que bah, je sais que les avocats font leur travail, mais là, en gros, l'avocat a dit que Alexander ne voulait tuer personne, il a simplement agi dans le feu de l'action, mais il ne voulait pas tuer, en fait, il n'a pas fait exprès. Et il ajoute que son client est atteint de troubles mentaux diagnostiqués en Russie en 2000. Le 9 novembre, soit quelques jours avant la fin du procès, le tribunal reçoit enfin le dossier médical d'Alexander Wins. Alors, le gouvernement russe l'a envoyé avec un peu de retard, et bah là, ils le reçoivent à la presque fin du procès. Et dans son dossier médical, il est indiqué qu'il a effectivement été exempté de son service militaire en Russie, puisqu'il souffrirait de schizophrénie. Alors, concernant cette partie, j'ai deux versions à vous fournir. Dans un article que j'ai lu, il a indiqué que le tribunal a reçu le dossier médical d'Alexander et que dans celui-ci, les éléments n'étaient pas, on va dire, suffisants pour indiquer qu'il souffrirait d'une vraie pathologie mentale. Donc, bah, ils ont considéré que ça n'avait pas à être pris en compte par le tribunal. Dans une autre version, j'ai lu qu'effectivement, dans le dossier médical, il est indiqué qu'il souffre de schizophrénie, mais que les juges n'ont pas voulu prendre en compte cet élément, puisque ça signifiait qu'il fallait faire témoigner un expert psychiatrique, et donc ça retarderait le procès, chose qu'il ne voulait pas faire, puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de pression médiatique à ce moment-là. Donc moi, je vous livre ces deux versions. La vérité se trouve forcément au milieu de tout ça. Et le 11 novembre 2009, Alexander Wins est reconnu coupable du meurtre de Marwa Okaz et de la tentative de meurtre d'Eloui Okaz. Il est condamné à la réclusion à perpétuité, assorti d'une peine incompressible de 15 ans. Il est également condamné à reverser des indemnités à la famille Okaz. Alexander Wins fait bien évidemment appel de sa condamnation, mais sa demande est définitivement rejetée en juin 2010. Alors, certains d'entre vous doivent se demander si finalement le policier qui a tiré sur Eloui a lui aussi été poursuivi. Il y a eu effectivement deux enquêtes ouvertes, l'une qui visait le policier et une autre qui visait le juge, puisqu'on avait considéré à l'époque que le juge avait mis beaucoup trop de temps avant d'appuyer sur l'alerte de sécurité et que le policier, au lieu de tirer sur l'agresseur, avait tiré sur l'une des deux victimes. Finalement, en décembre 2009, donc quelques mois après le procès d'Alexander Wins, ces deux enquêtes ont été définitivement clôturées. Les conclusions du procureur, c'est que le juge n'a pas très bien compris ce qu'il se passait, donc il n'a pas fait exprès de prendre du temps avant d'appuyer sur l'alerte de sécurité, et le policier n'a pas vraiment vu, compris ce qu'il se passait. Donc s'il a tiré sur Eloui, ce n'était pas volontaire, c'est simplement que dans le feu de l'action, il n'a pas compris. La famille de Marwa a bien sûr réagi à ça, hein. Pour eux, ces deux enquêtes auraient dû donner lieu à des sanctions éventuellement, puisque ça leur semble évident que derrière le tir du policier, il y avait une connotation raciale, dans le sens où c'était clair, net et précis que l'assaillant était Alexander Wins et la victime Eloui Okaz. Cela dit, le policier a préféré tirer sur Eloui, aveuglé certainement par des préjugés raciaux. Et concernant la condamnation d'Alexander Wins, ils se sont dit satisfaits de la peine de prison, mais pas du chef d'accusation, meurtre au lieu d'assassinat. Pour eux, il est évident qu'il y avait une préméditation derrière ce qu'il a fait. Personne ne se balade avec un couteau de boucher de 18 cm pour se rendre dans un tribunal où on a accusé de quelque chose. Donc oui, ils sont satisfaits de la sentence perpétuité,
mais pas du chef d'accusation. Et il y a également un autre point qui a titillé la famille Oukaz, la famille El Sherbini, mais également les musulmans de Dresde, c'est la notion de terrorisme. Bon, je sais pas si je peux le prononcer, je pense que je vais le biper en ce mot. D'après eux, au sein de ce tribunal, Alexander a agi au nom d'une idéologie, sa haine des étrangers. Et ce, dans le but de distiller de la terreur. Il s'agit donc d'un terroriste au sens étymologique du terme. Toujours est-il qu'à la suite de la condamnation définitive d'Alexander Wins, différents hommages ont été rendus à Marwa. En juillet 2010, par exemple, une association de citoyens locaux organise une installation artistique commémorative à travers Dresde. Le même mois, une plaque commémorative bilingue a été installée au tribunal de Dresde, et sur la plaque, on peut lire en allemand et en arabe « Marwa El Sherbini, née le 7 octobre 1977 à Alexandrie, décédé le 1er juillet 2009 à Dresde. Nous rendons hommage à notre concitoyenne égyptienne, Marwa El Sherbini. Elle a été victime d'islamophobie et de xénophobie. Elle y a fait face avec dignité et un courage civil exemplaire. Lors de son témoignage dans ce tribunal, elle a été poignardée par l'accusé. Nous nous inclinons devant la victime de cet acte horrible et inconcevable et pleurons avec sa famille. La justice de l'État libre de Saxe. » Et en octobre 2012, la ville de Dresde crée une bourse d'études en mémoire de Marwa El Sherbini. Donc c'est la bourse Marwa El Sherbini. Elle est attribuée aux étudiants de 3e cycle qui intègrent un établissement d'enseignement supérieur à Dresde. Aujourd'hui encore, dans la ville de Dresde, tout le monde connaît l'histoire de Marwa, cette pharmacienne et mère de famille agressée dans un parc pour enfants, puis poignardée à mort dans un tribunal, une matinée d'été 2009. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente parce que je vous avoue que c'est une affaire qui a soulevé pas mal de questions. Et la première, c'est le chef d'accusation. J'avoue que j'ai pas compris ce chef d'accusation-là, qu'on écarte la préméditation. Mais il y a d'autres affaires que je vous ai présentées où vous-même, vous aviez été très étonné. Par exemple, l'affaire Giuseppe Morgante et je sais plus laquelle. Enfin, il y en a eu tout un tas d'autres où la préméditation était écartée. Ah, Alessandra Matteuzzi. Alors que la préméditation est évidente. Là, pour moi, la préméditation, elle est évidente. Qui se balade avec un couteau de 18 cm pour se rendre dans un tribunal, confronter, on va dire, une personne qui nous accuse de quelque chose, qui se balade avec un couteau de 18 cm. Et ensuite dire, oui, mais j'ai été terrifiée, j'ai eu peur de cette personne, c'est pour ça que je l'ai poignardée. Mais qu'est-ce que c'est que cette défense? Franchement, qu'est-ce que c'est que cette défense? Après, comme je l'ai dit, oui, c'est vrai, les avocats font leur taf, faut pas les blâmer, et c'est leur boulot. Mais, ouais, franchement, c'est n'importe quoi. L'autre truc qui m'a titillé, c'est bien évidemment le policier qui tire sur Eloui au lieu de tirer sur Alexander. Franchement, c'était consternant, je vous jure que c'était consternant. Et dites-vous que cette affaire, il n'y a pas grand-chose dessus. Je me suis uniquement... basé sur les articles de presse parce que j'ai trouvé aucun documentaire. Il y a, vous savez, quelques petits flash info de l'AFP, mais c'est tout. Il n'y a rien de plus. J'ai pas compris. Enfin, à mon sens, une affaire comme celle-ci, elle est tellement extraordinaire qu'elle doit ensuite donner lieu à des documentaires. On parle quand même d'une femme enceinte poignardé à mort au sein d'un tribunal, puis le policier qui tire sur la deuxième victime au lieu de tirer sur l'assaillant. Alors, ma théorie à moi, c'est qu'à mon avis, à l'époque, très peu de journalistes ont voulu faire des reportages et des documentaires sur ça, parce qu'ils savaient que c'était tellement absurde qu'à mon avis, ça allait soulever quelques tensions. Mais de toute façon, les tensions, elles étaient là. Enfin, il y a eu des tensions en Égypte, il y a même eu des tensions en Iran, j'ai lu, et dans un autre pays, mais je me souviens pas lequel. En fait, les gens étaient choqués parce que c'est pas anodin, c'est une institution. Donc forcément, ouais, moi, je vous avoue que j'ai été très, très étonnée. Et il y a également un point qui m'a beaucoup intéressée, c'est les questionnements soulevés par les gens à la suite du meurtre de Marwa. Certains ont dit, bah attendez, mais ça c'est la définition même d'un attentat. Effectivement, moi je rejoins ça, parce qu'à partir du moment où on tue des gens au nom d'une idéologie, quelle que soit cette idéologie, bah en fait, c'est ça la définition de l'attentat. Donc oui, le gars, tout de suite, on met en avant des troubles mentaux, je sais pas. Après, par rapport à l'histoire des troubles mentaux, comme je vous l'ai dit, il y avait deux versions. Moi je ne sais pas quelle est la vraie, parce qu'il y avait autant d'articles qui parlaient du fait qu'il était effectivement schizophrène, que d'articles qui disaient qu'en fait il n'y avait rien de probant dans son dossier médical.
Et autre point que j'ai envie d'évoquer, parce que franchement, j'ai trouvé que le comportement de cet homme était louable à 2000%, c'est l'avocat de la défense. Donc l'avocat d'Alexander Wintz, le jour du meurtre de Marwa, c'est lui qui a sauvé la vie de Mustapha d'une certaine façon, et c'est lui qui a essayé de sauver la vie de Marwa. Il a mis sa propre vie en danger pour pouvoir arrêter ce que faisait Alexander. J'ai trouvé que franchement c'était grave touchant, parce que je me suis dit, le gars, en plus il pleurait quand il expliquait ce qu'il s'était passé, parce que bah, lui il était aux premières loges, il a tout vu. Il a vu cette femme enceinte se faire déchiqueter, il a vu Eloui se prendre des coups de couteau, il a vu le petit Mustapha qui assistait à tout ça, qui était terrorisé. Et bon, s'il passera jamais sur ma chaîne, hein, il ne comprendra même peut-être jamais ce que je suis en train de dire de sa personne. Mais j'ai trouvé que son comportement était très courageux, et je trouve ça bien de le souligner. Voilà. Enfin bref, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette histoire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.